ce matin, Seigneur. Nous connais, Seigneur, nous environner, Seigneur, de la nuée de ta présence, chacun d'entre nous, Seigneur, qui l'a continuité, Seigneur, de l'Esprit Saint avec nous, Seigneur Jésus. Te peux prendre contrôle, te peux prendre le dessus ce matin. Te peux aller vers toi, corps, âme, esprit, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur, parce que ce n'est pas nous, mais c'est toi en nous, Seigneur, qui fait la différence. C'est toi en nous qui parle, Seigneur Dieu. Et c'est ta parole qui vivifie, ta parole qui donne nous la vie, ta parole qui aide nous, Seigneur, pour grandir et pour aller de l'avant, Seigneur. Qu'on appuie ta parole tous les jours, Seigneur. Te veillons-nous, Seigneur, te protège-nous, Seigneur. Papa, moi, demande, t'as béni chacun d'entre nous, Seigneur, qui l'a ce matin, Seigneur, et assoiffé de toi, Seigneur, pour entendre ce que toi, tu es là pour dire, Saint-Esprit. Me glorifier ton Saint-Nom, me rendre ta grâce. Prends le dessus, prends le contrôle, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, musique active. Pour tout bon chant, alléluia, de louange et d'adoration qui demande vers le Seigneur ce matin. Merci à tous ceux qui sont sur cette plateforme ce matin, alléluia. Que vraiment, ne peut attendre de ce que Dieu est là pour nous, alléluia. Nous glorifier le nom de Jésus ce matin, nous rendre grâce à Dieu. Parce que vraiment, tous les jours, nous visons la parole de Dieu, tous les jours, nous visons le Seigneur, alléluia. Et Dieu finit de nous, alléluia, dans Jean chapitre 15, verset 16. Le temps qui passe, Sam, il met l'écran, il lire. Si nous n'avons la Bible à côté de nous, nous pouvons lire dans nous la Bible et nous pouvons lire ensemble. Mon corps qui est tout le temps, Finton, le frère Alain, le frère Aka au centre sachant là, beaucoup de fois, le Saint-Esprit dirigé par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Il donne un chant dans sa verset 16 là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, Jésus, mais moi, Dieu, mais moi, l'Éternel, qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Qui fait? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Vous attrapez ce chant-là? Ça, c'est le frère Akao qui finit composer, qui finit lire, qui finit inspirer du Saint-Esprit et finit un chant là. Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu même qui nous peut dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Rappelle bien, frères et sœurs, nous tout qu'il a, pas nous qui finit choisir, bon Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui finit choisir nous. Qui fait, il finit choisir nous pour établir nous, afin qu'il nous allait. Dieu dit, moi, établis-toi aujourd'hui. Mopé, établis-toi afin qu'il te aille en dehors dans ce monde-là. Qu'il te aille, que moi, je peux envoyer toi, te pour aller. Aujourd'hui, quand je t'étais dit en ce moment, moi, pour aller, parce qu'il m'a fini établi. Pour aller. Et quand tu pour aller, tu pour porter des fruits. Et tu as besoin de travail, tu pour besoin faire. Et tu as besoin de travail, tu pour besoin faire en dehors, des fruits, puis attends-toi pour le cueillir. Et la fruit qui mûre en ce moment, qui Dieu peut préparer, et te ban fruit, il besoin mûre, alléluia, et te ban fruit, besoin demeurer. C'est pas un fruit ordinaire, c'est pas un fruit qui vous était, mais un fruit qui vous demeure en toi jusqu'à qu'un jour toi le rejoignes le Seigneur. Sa fruit qui te vous portez là, sa fruit qui te vous portez en toi là, il besoin demeurer. Faut pas les pourrir, faut pas les sentir l'odeur. Il ne faut pas un fruit qui peut gâter, mais un fruit qui peut demeurer jusqu'à qu'un jour nous rejoigne le Seigneur. Alléluia. Rappelez-nous bien, frères et sœurs, qui c'est nous qui finit choisir, qui c'est Dieu qui finit choisir nous. Nous lisons dans Marc chapitre 3. Pourquoi le Seigneur finit choisir nous?
Nous tous nous connaissons, nous pouvons aller par fin dernier, nous pouvons aller Marc chapitre 3, alléluia, nous regarde si vraiment le Seigneur vient choisir toi, est-ce que le Seigneur vraiment vient choisir nous? Nous regarde un petit coup. Il dit Marc 3, verset 13. Il dit Jésus monta ensuite sur la montagne. Il monte l'eau en montagne, rappelle bien, alléluia. Il appelle ceux qu'il voulut. Il y a beaucoup de disciples qui sont avec lui, qui peuvent marcher avec lui. Mais là, il dit, il appelle ban ceux qui l'ont envie. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Maintenant, Jésus dit, moi, tous ces disciples-là, pourquoi pas marcher avec moi? Moi, besoin choisir 12 disciples. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il établit 12 pour ça m'a dit qu'à marche avec lui, faire le travail avec lui. Il les envoya prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pas juste établir, mais envoyer des hauts pour capable et n'a pouvoir pour chasser ban démons. C'est nous dire dans Matthieu 10, il vous dit pas juste pouvoir pour chasser ban démons. Dans Matthieu chapitre 10, il dit pour guérir les malades et pour guérir tous ceux qui sont infirmes aussi. Et Dieu nous donne le pouvoir qui fait pour prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades et toute infirmité. Voici les 12 qu'il établit. Il y a Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude et Judas. Et il y a un 13e qui vient choisir, c'est toi et moi. Un 13e qui vient choisir aussi, toi et moi. Il vient choisir toi et moi pour être un de ces disciples qui est envoyé pour aller prêcher la bonne nouvelle, gagner le pouvoir pour chasser les démons, et aussi pour guérir les malades et toute les infirmités. Soyons prêts, frères et sœurs, parce que Dieu vient choisir toi. Pas toi qui viens choisir Dieu, mais Dieu vient choisir toi aujourd'hui pour faire le travail. Alléluia. Nous tous nous trouvons ici que Jésus, avant d'aller faire le travail, avant d'aller guérir, avant d'aller faire des miracles, Jésus est tout le temps à le prier. Quand ça sert Jésus à le prier, nous tous nous connaissons. La parole vient nous dans Luc 6, verset 12. Nous lisons Luc 6, verset 12. Vous donnez le verset vite, mais je vais noter. Alléluia. Mais nous lisons Luc 6, verset 12. En ce moment-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand il le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12. En la nuit, il est dans la montagne, il a prié. Et quand il commence à faire clair, il est là, il commence à faire ce travail, il dit, le Saint-Esprit, il dirige lui, ce papa fait une cause avec lui, il dit, maintenant te descends, toi choisir 12 disciples. Pas fin choisir par hasard sa 12 disciples-là, mais guidé par le Saint-Esprit, qui finit choisir sa 12 disciples-là, parce qu'il y passe une la nuit à prier sur la montagne. Et là, il descend, il dit maintenant, il choisit 12. Vous et moi ne sommes pas choisis par hasard. Dieu ne m'a pas fini choisir par hasard. C'est Dieu qui finit choisir moi lui-même. Amen. Auquel il donna le nom des apôtres. Et là, il nomme sa même personne-là pour être ban disciple et ban apôtre. Alléluia, qui est dit, qui nous trouvait dit, que le Seigneur pour travailler dans son intérieur, que Dieu pour travailler, pour façonner, pour donner l'inspiration du Saint-Esprit, pour marcher avec Jésus sans se fatiguer, sans se lasser, mais qui pour marcher, qui pour dire oui, moi avec toi Seigneur, et nous faire le travail ensemble. Quoi qu'il te pour faire moi, te pour dire moi faire, nous pour faire lire ensemble, parce qu'il te fait, appelle-moi à faire le travail. Alléluia. Parce que ce n'est pas la chair, ce n'est pas notre propre intelligence, ce n'est pas nous, mais le Saint-Esprit en nous qui fera le travail. Alléluia. Parce que Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, et nous faire le travail que Dieu vient de nous faire. Parce que
C'est Jésus qui vient choisir nous pour marcher avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous trouvons encore que Jésus ici, tout le temps, il monte une montagne. Dès qu'il finit de faire une épreuve, dès qu'il finit de faire un travail difficile pour lui, mais parce qu'il y en a l'Esprit de Dieu en lui. Quand il y a le montagne, il priait Dieu, il est inspiré de Dieu, il est rempli avec l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit saturé avec la présence de Dieu, il est l'Esprit saturé avec l'onction de Dieu, il est l'Esprit rempli de la tête jusqu'aux pieds. Il est là quand il descend, il est capable de faire ce travail, même le difficile, mais il est capable de faire le travail qui bon Dieu indien à le faire. Bâti facile pour Jésus, pour affronter sa peuple qui n'ont Dieu si. Parti facile pour Jésus, pour lui affronter sa bande pharisien, sa bande personne sacrificateur, tout qui compte lui, tout sa bande du monde qui compte lui là. Mais à grâce au Saint-Esprit qui est avec lui, il est capable de faire le travail. Nous trouvons que quand il y a la montagne, montagne c'est un lieu haut. Un lieu haut que vraiment lui a inspiré lui là-bas, un lieu tranquille, idéal, que tu as la paix. On va venir si vous êtes une descente, monte l'eau, montagne signaux ou montagne pousse. Et il y a une fraîcheur l'eau là. Il y a une fraîcheur dans sa montagne là. Il y a prié tranquille dans un lieu tranquille. Il y a prié tranquillement pour gagner l'inspiration de Dieu. Tout le temps nous trouvons, si nous lisons dans Matthieu 14 aussi, verset 23, vous trouvez Dieu lui monte l'eau montagne et se met à l'écorce. Tout le temps les mettent à l'écorce. Et c'est ça. Et c'est ça mon thème de mon message ce matin. Se mettre à l'écorce. Set à part. Mets-toi à l'écorce. Jésus lui montre le montagne, il met à l'écorce pour prier. Si nous lisons Marc 1, verset 35 aussi, il dit, vers le matin, pendant qu'il était encore fait sombre, il est levé, il sortit et il a un lieu désert pour prier. Il dit, Luc 9, verset 18 aussi, il dit, un jour Jésus priait à l'écorce, à l'écorce. Et Luc 11, verset 1, il dit, Jésus priait un jour dans un certain lieu. Et toujours Jésus les mettait à l'écorce pour à chercher la face de Dieu. Pour à chercher la face de Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, cherchons la face de Dieu. Pourquoi se mettre à l'écorce, frères et sœurs? Pourquoi se mettre à l'écorce? Ce matin, Jésus peut dire à nous tout qu'il a. Mets-toi à l'écorce. Le moment finit d'arriver pour te mettre à l'écorce. Nous, qu'est-ce qu'il fait? Nous mettons-nous à l'écorce. Alléluia. Dans Marc chapitre 9, si je n'ai pas la Bible, je mets un book marqueur là. Marc chapitre 9 et Luc chapitre 9 aussi. Nous voulions dans Marc chapitre 9 avant. Verset 2, verset 1 même. Allô. Il dit encore, Jésus peut dire à nous ce matin, je vous le dis en vérité, ce n'est pas mensongère, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils trouvent le royaume de Dieu venir avec puissance. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, pas pour mort, avant qu'ils se trouvent royaume de Dieu, vini avec puissance. Verset 2 dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui. Jésus prit Pierre, Jésus prit Jacques, Jésus prit Jean. Et il les conduisit seul, que ça ça? À l'écorce sur une montagne. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il prend eux, et il amène eux à une haute montagne. À l'écorce, à une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. Nous lisons Luc, verset 9 maintenant. Verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point,
qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une écarlate blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, qui apparaissaient dans la gloire. Parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu, de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et là, et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Amen à la parole de Dieu, alléluia. Frères et sœurs, ce matin, nous pouvons trouver Jésus, il dit, qui est né parmi nous, qui pas pour moi, jusqu'à qui je fin trouve le royaume de Dieu, vini avec puissance. Et Jésus dit, laisse-lui aller à l'école pour le prier. Quand il allait, cette fois-ci, il dit, mon papa, tu sais, mais me prends avec moi 3 de mes disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ça, 3 disciples assis, je peux lire. Dans Marc chapitre 14, verset 33, je peux trouver dans le jardin de Gethsémané. Je peux trouver aussi, il prend les mêmes personnes avec lui quand il a prié dans le jardin de Gethsémané. Ce matin, frères et sœurs, alléluia, chacun d'entre nous ici, il est appelé de Dieu, choisi de Dieu, pas par hasard, mais guidé par le Saint-Esprit. Dieu finit appelé toi depuis dans le ventre de ton maman. Dieu finit établi toi aujourd'hui. Ce n'est pas l'air pour continuer à saisir, ce n'est pas l'air pour continuer à tourner en rond. L'heure finit arriver pour te aller. L'heure finit arriver pour te sortir de ton confort. L'heure finit arriver parce que Dieu va appeler aujourd'hui. Mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart. Alléluia. Vous trouvez Dieu, les vins choisir 3. Ces 3-là, Pierre, Jacques et Jean, alléluia. Tu as un choix dans ta vie. Quand Jésus dit, Jésus, viens avec moi. Viens avec moi, mon père, le montagne pour aller prier. Je tiens un choix dans la vie pour dire, soit je reste dans la plaine, je reste en bas, je reste dans la vallée, je reste côté moi était dans mon confort, je ne vais pas parler avec toi, Jésus, parce qu'il ne me connaît pas que tu peux amener moi, qui te peut faire avec moi, qui peut arriver là-bas. Je tiens un choix pour faire. Either je reste dans ce confort, dans la plaine, dans la vallée, mais rappelle-toi que tout le travail commence dans la plaine, tout le travail commence dans la vallée. Rappelle-toi aussi que Abraham et Lot, Dieu te dit à choisir. Qui Lot t'a choisi à la plaine? Mais Abraham, tu lèves sur les yeux, tu guettes là-haut. Et quand tu guettes là-haut, et là, nous connaît qui Dieu, qui l'éternel t'y fait. Mais quand tu guettes la plaine, nous trouvons juste ce qui nous les a trouvés. Longueur d'onde qui nous les a trouvés, nous pas trop plus. Mais quand nous montons une montagne là-haut, l'île Maurice nous dit, nous contempler. Moi, je connais quand nous le montagne, je respecte côté montagne, là, je contempler pour lui net en bas. Quand nous le montagne, nous contempler sa vue, sa la vue qui est là, de là-haut là. Mais sa 3-là, je suis capable, tu es à coup de paille, allez-toi, moi, je ne peux pas parler, allez-toi, moi, je ne peux pas parler. Mais je finis obéir à Dieu, je finis obéir à Jésus. Je te dis, oui, laisse-nous aller ensemble avec Jésus.
Nous accompagnons ça Jésus-là, parce que l'amour pour ça Jésus-là, c'est grand. Quoi qu'il arrive, nous, nous accompagnons Jésus, quand il permet nous, l'eau sa montagne, nous accomplir. Je connais sur cette montagne, qui Jésus, il dit, une montagne haute. Une montagne haute, comme on regarde ça, dans Google, vous trouvez sa montagne, elle est 588 mètres de haut. Il vraiment haute, sa montagne-là. Et pas pourquoi pas monter pareil comment au monde montagne signe tous les jours ça monter descendre et la dimanche fait ça 3-4 fois par jour c'est pas pareil ça c'est une montagne bien haute ça alléluia et là nous trouvons quand Jésus finit nous autres il me disait monter pas à pas quand Jésus finit appel nous frères et sœurs pas un seul coup pour un changement pour la transformation. Pour ça l'opération là dans la vie. L'opération sera faite pas à pas, tigin. Mais aussi longtemps qu'il peut obéir pour marcher avec Dieu et pour aller sur la montagne haute, au lieu de rester le même et de penser à vraiment changer. Ma vie doit changer. Mon la vie pas capable reste toujours pareil. Mon la vie doit changer. Laisse vraiment mon mettre-moi à l'écart avec Jésus. Et pas à pas, je fais monter, jusqu'à ce que je n'arrive loin de montagne haute. Peut-être, nous tous nous connaissons. Moi, je fais l'expérience en allant en Suisse, je monte une montagne qui s'appelle Cervin. Là, on est et on a la neige. Ça. Quand plus vous montez, vous trouvez la neige. Mon frère Morvin est capable de dire, plus vous montez, montagne, qui montagne là-bas, Palmis. On a la neige là-haut, ça. Plus il montait, et dans la neige, fait frais là-haut. Je suis sorti d'un chalet en bas, je peux monter une fraîcheur là-haut. Pense pour à cela, mais je peux affronter sa fraîcheur là. Je peux affronter lui, même je peux monter là-haut. Là-haut, côté na tranquillité. Là-haut, côté pour na quelque chose qui peut passer. Dieu est fini, connaît qui peut arriver. Il amène droit avec lui. Quand une montée, le Seigneur dit ici, dans verset 32, Pierre avec ce bon compagnon, je t'y pégais sommeil, mais je fin tenir, je éveillé. Et parce qu'ils fin tenir, je éveillé, je fin trouve la gloire de Dieu. Parce qu'ils nous tenir, nous éveillés, frères et sœurs, nous pas les sommeil, prends-nous dans nous. Lisier, ne pas laisse nous endormir, ne pas laisse nous ronfler tous les jours, nous laisse le Saint-Esprit, garde nous éveiller tous les jours, même dans le sommeil. Où vous trouve la gloire, bon Dieu? Nous vous bisez, trouve la gloire, bon Dieu. Et si les, où les trouve la gloire, bon Dieu? Où demande, bon Dieu, met tout à l'écart, où rentre dans la chambre, ou pas qu'on est côte ça, ou capable rentre dans une place que tout met tout tranquille. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est pour cela que je suis capable de dire aujourd'hui. Faisons l'expérience ensemble. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui pas capable d'expliquer. Ou rentre dans la chambre. Ou on a une soif du Seigneur. Ou met tout à l'écart. Ou commence à prier. Ou pas qu'on prie. Ou parle en langue. Ou parle en langue même. Où vous trouvez quand ça la gloire, bon Dieu, la descend nous. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Où va vous capable, où vous tremblez de tous les pieds, de la tête jusqu'au bout, vous tremblez. La gloire, bon Dieu, touche où. C'est pour ça que mon Dieu, ma musique, me sentait ce matin. Quitte la gloire, lui descend. Quitte la gloire, lui descend. L'eau, chacun d'entre nous qui l'a sa plateau, et l'eau, nous, famille, m'ont prié ce matin. Alléluia. Que la gloire de Dieu, lui descend. Parce qu'il nous bénisse à la gloire de Dieu là pour capable aller. Bon Dieu peut envoyer et nous bénisse à la gloire de Dieu là pour aller en dehors. Reste éveillé et laisse le Seigneur diriger toi. Alléluia. À côté de toi, il y a quelqu'un qui bénisse toi aujourd'hui. Mais la gloire de Dieu fera la différence en toi. La gloire de Dieu fera la différence parce que ce n'est pas toi, mais c'est la gloire de Dieu sur toi qui touchera ceux qui sont à côté de toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur dit, mon fils choisit toi, mon fils établit toi. Aujourd'hui, frères et sœurs,
Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous faites le choix de quitter sa douce là et prend l'initiative, prend ça la force là en toi pour marcher, pour aller avec Jésus sur la montagne, te vous trouve le grand je suis, te vous trouve la gloire du grand je suis, te vous trouve la gloire de Dieu magnifique, contemplez ça la gloire de Dieu là, qui est magnifique, alléluia, qui jamais te vous capable oublier dans toute la vie, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais jusqu'à ton mort, la gloire de Dieu sera sur toi, alléluia, et cette gloire qui vous pousse toi de l'avant, qui vous pousse toi de l'avant pour faire ce que Dieu dit à toi de faire aujourd'hui. Ce matin, frères et sœurs, alléluia. Nous connaissons la gloire de Dieu, il y a un toucher du Saint-Esprit. Il y a un toucher du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes disciples, il est capable de marcher, de manger, de boire, de aller avec Jésus finalement. Mais pas fin contre Jésus comme on a besoin contre Jésus. Il faut dire qu'il arrive sur cette montagne pour connaître Jésus vraiment. Qui est ce Jésus? Qui est vraiment ce Jésus? Parfois, nous sommes pareils, nous sommes capables de marcher avec quelqu'un, mais nous ne connaissons pas qui est ce Dimouna. Qui est ce Dimouna qui se la vit du passé, qui était vraiment ce Dimouna. Je connais mon témoignage de ça aujourd'hui. C'est Priscilla Mokolila, là où il allait. C'est Priscilla Tila, mais la sœur Jacqueline Silila. Je connais un jour, avant qui confinement fini l'année dernière, nous tions l'église, moi, la sœur Priscilla, avec la sœur Jacqueline, nous tions nettoyer l'église avant que l'église reprenne l'année dernière. Juste avant qu'il nous finisse et nettoyer, la sœur Jacqueline s'est balayer l'escalier et les lignes descendent, il rencontre un dimoun en bas et sa garçon là. Et sa garçon là, l'hypédémone Serge Jacqueline, quand l'église était, parce qu'il dit, il rencontre Jésus, il tient content, je ne pas sûr, t'es là. Et moi, je suis encore là-haut. La sœur Jacqueline, finalement, ça dit, là, avec moi là-haut. Et il dit, moi, ça dit, moi, là, il vient aider tes affaires. Et là, la personne, il vient, il nous donne moi là-haut. Moi, je dis, Serge Jacqueline, pas descendre, reste avec moi là-même, là, parce qu'il y a trois madames dans ce lieu-là. Moi, j'allais comme ça, Michel là, j'ai dit, on connaît, moi, fait que sorti de prison, il fait tant d'années dans prison, et là, il fait besoin d'une place, il fait besoin de travail, tes affaires. Ça. Moi, j'ai dit, ah bon, on fait prison, il dit, oh, oui, moi, j'ai besoin d'aide tes affaires. Et, là, moi, j'ai dit, non, vous connaissez justement dans l'église que nous, il y a un pasteur qui lui aussi, il fait la même chose, il passe par le même chemin avec vous, moi, pour faire vos rencontres, lui. Nous ferme la porte, nous descendons. Et quand nous finissons de descendre, et Dimouna, il peut dire, moi, il a besoin d'aide parce qu'il peine à la case, il peine à maman, il peine à papa, il peine à tes affaires. Mon petit est dans la jambe, la sœur Priscilla, il n'est pas aidé comment la sœur Priscilla est aidé. Et le lendemain ou deux jours après, sa sœur Jacqueline m'a oublié. Nous trouvons le journal, peut-être je finis trouver, c'était un garçon qui se chevait blond. Nous trouvons le journal, ce garçon-là, il viole, c'est pas comme madame. Il amène dans Trianon, dans Eben, là-bas, il viole ben madame, comme il viole ben enfants. Il viole, il fait beaucoup de dégâts, et là, la police finit rappeler. Ok? C'est un petit mot peut dire. Nous capables de manger avec un Dieu, parce qu'un Dieu, nous papa connaît, me dire merci Seigneur. Merci Seigneur, le Seigneur vient protéger nous. On n'était que trois madames dans le lieu tranquille dans l'église. Le Seigneur vient protéger nous aujourd'hui. Ça même on rend sa témoignage là. Mais aujourd'hui, nous pouvons causer qu'un dimoun, mais nous ne pouvons pas connaître un violé. C'était un violé qui, la police, il crapait, il refermait en dedans. Une cause mentir avec nous. Nous sommes chocs, vraiment nous sommes chocs. Mais ce matin, c'est que moi, mon père, aujourd'hui, le Seigneur peut préparer nous les cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur peut préparer nous, alléluia, pour nous rendre dans l'autre dimension de l'esprit. Pour nous trouver la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu l'y opère en toi. Pour qu'il y ait un changement en nous, en toi, en moi, et que ce changement
capable amène un changement à ceux qui sont autour de toi et amène un changement à toute bonne connexion. Que le changement de Dieu en toi, la croissance qui opéra en toi, par la gloire de Dieu bien sûr, pour faire des grandes choses dans ta vie et dans la vie des autres. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, le changement qui opéra sera opéré dans ta pensée, dans ton regard envers les autres, le changement pour opérer dans ta vision, le changement pour opérer dans ta façon de penser des autres, le changement pour opérer dans ta destinée avec le Seigneur, le changement pour opérer dans le but qui te naît dans ta vie, le changement qui peut opérer pour amener un changement de la façon de faire. Alléluia. Nous chantons ce matin, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vie. Le musicien a un changement ce matin. Et pas juste ça qu'il nous dit. Il nous dit, pas prendre compte ce qui te tendait. Pas prendre compte ce qui te trouvait. Marche par la foi. Mais pour qu'il te capable, marche par ça la foi là. Alléluia. La gloire de Dieu bise à toi, frères et sœurs. La gloire de Dieu bise à toi. Alléluia. La gloire de Dieu pour attirer toi. Pour attirer toi vers lui. Alléluia. Je connais. Nous regardons qu'il nous dit encore ici. Alléluia. Verset 35. Et nuée fit couvrir tous ceux qui tirent sa montagne là. Et la nuée, dans cette nuée, sortit une la voix. Dans cette nuée là, frères et sœurs, il sortit une la voix qui dit : celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous disons ensemble que tu étais ce matin. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Rappelle bien qu'il est bien-aimé de Dieu. Dieu peut dire d'une voix forte là où tu es ce matin. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. Et quand on est une fille et quand on est un garçon bien-aimé de Dieu, il n'y a personne qui ne peut pas. Quand une petite fille, quand un garçon est un bien-aimé de Dieu, quoi qu'il les autres peut dire le où ce matin, quoi que des négatifs, quoi le mal qui les autres peut parler sur où, pas pour faire ou non, pour ce qui est un bien-aimé de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Une voix forte cria, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui te la gloire, il descend ce matin, Seigneur. Que la gloire lui descende. Te fin appel nous. Alléluia, Father God. Quand on est bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de souffrance. Mais Dieu peut guérir souffrance. Dieu peut guérir tous les moqueries. Beaucoup de palabres, Dieu peut guérir. Alléluia, Father God. La gloire de Dieu, il est en nous ce matin. La gloire de Dieu, il est en nous dans ce lieu. Tu n'as personne pour qu'à pas cause toi ce matin. Assez. Assez intimidé. Assez l'histoire intimidée. Assez l'histoire oppressée. Assez l'histoire casse la tête par des choses qui va mal autour de toi. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Tu es la fille bien-aimée de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, alléluia. Jordan, Brenda, Anna, Andy, Jovan, Dwayne, Jason, Océane, il arrive là pour se mettre à l'écart. Il arrive là pour se mettre à l'écart. Il arrive là pour se rendre d'un lieu, d'une place, que le Seigneur appelle Zot.
parce que le ministère du praise and worship upon you, c'est pas ce que le Seigneur peut demander actuellement, c'est ce que le Seigneur n'a plus encore à donner. Il arrive là pour vous rendre dans la chambre et cherche la face de Dieu. Votre ministère vous a grandi. Votre ministère vous a grandi. Rentre dans ta chambre, mets-toi à l'écart, puise dans la parole, priez Dieu, parle en langue, cherche la face de Dieu jusqu'à te trouver la face de Dieu, jusqu'à que la gloire de Dieu tombe en toi ce matin. Ainsi que nous sommes Joyce, que la gloire de Dieu tombe en toi, Seigneur. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu, mets-toi à l'écart. Et à Dieu, il n'a plus encore à donner. Mais tant qu'il ne pas cherche la face de Dieu, il ne va pas trouver ce qui bon Dieu il a. Mais ces trois disciples font une expérience, la gloire de Dieu sur la haute montagne. Ces trois disciples qui font être choisis de Dieu, font une expérience, cette présence de Dieu. Expérience, cette présence de Dieu, toi aussi. Alléluia, Father God. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Qui nous met nous debout que nous étions ce matin. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout ensemble. Alléluia. Que nous étions ce matin. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur ce matin. Alléluia. En signe de reconnaissance vers Dieu. Mettons-nous debout ensemble. Alléluia. Simplement, lève-vous la main, lève-vous les cœurs vers le Seigneur ce matin. Et laisse la gloire de Dieu tomber sur toi. Parce qu'il te fait recevoir ce matin. Laisse la gloire de Dieu. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Seigneur, remplis-nous de ta gloire. Aide-nous, Seigneur, pour capable mettre-nous à l'écart, Seigneur. Pour cherche-toi, Seigneur Dieu, parce qu'il n'est pas assez comme toi. Parce qu'il te appelle nous pour servir toi. Pour aller te dire. Et toi, tu peux donner tout pouvoir, Seigneur. Pour guérir, pour chasser les démons, pour faire ton travail en dehors, Seigneur. À tous ceux qui te placent autour de nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je connais la fois dernière, moi, Paul, the guest is at the door. Frères et sœurs, ce matin, moi, mon père Jésus, poignée la porte, il dans la main. Poignée la porte, il dans la main. Trappe poignée la porte, ouvre la porte et laisse the guest rentrer. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous les cœurs les grands ouverts, nous les proclame tout grandeur, quitte la gloire des saints. Amen. Que le Seigneur bénisse. Passez une bonne journée dans le Seigneur.